Bienvenue sur la chaîne Dylan Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc sur la nouvelle mise à jour de World of Tank Blitz. Je sais, normalement, ça devait être Titan Brawl, sauf que cette mise à jour est arrivée avant celle de Titan Brawl. Ben, disons que on n'a pas LTR qui vous accueille aujourd'hui pour regarder ce qui a changé sur le jeu. Je sais pas si on va faire de combat, si on a le temps, oui. Sinon, non. Donc, une nouvelle chose, en fait, dans ce jeu, il y a un entrepôt. L'entrepôt, c'est là qu'on peut obtenir des récompenses pour l'accomplissement de nos missions. Et les certificats, donc, liste de recommandations pour une heure de compte premium, c'est un peu comme un compte premium, en fait. Si vous voulez. Donc là, on a rare certificat pour 9 heures de compte premium. Active le compte premium pour 9 heures. Conditions d'obtention. Échanger des listes de recommandations obtenues en accomplissant certaines missions. Voilà. On l'utilise et du coup, ça nous donne des trucs. Ensuite, donc le décor qui est flambant neuf, fait pour Noël. Enfin, clairement, il n'y a pas mieux. Voilà, on va même le mettre comme ça, je trouve que c'est plus joli même de ce côté-là, avec une belle aurore boréale sur le haut. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donc, je crois que dans la boutique, en ce moment, il y a un char qui est rare, voilà, l'eau de réparage. Je ne sais plus lequel c'est, ça doit être celui-là, je crois, qui coûte 14,89€. Ensuite, là, on a l'or, donc rien n'a changé là-dedans. Premium, 360 jours, donc ils en ont donc du crédit cab et de l'XP, ben, ça c'est comme d'hab. Il me semble donc qu'il y a des chars nouveaux peut-être. On va regarder s'ils ont baissé le prix des chars. Apparemment non. Là non plus, donc non, c'est qu'ils n'ont pas changé le prix des chars. Aussi, il y a une commande où on peut voir toutes les provisions. Voilà, on peut voir, je crois, équipement, on peut voir un truc même, voilà. Donc, équipement, on peut voir tous les équipements et ce qu'ils font, quoi. Donc, poids, est-ce que c'est en hausse, est-ce que c'est en baisse. Voilà, donc on voit plutôt à certains endroits que c'est en baisse. La vitesse de visée, tac, et ça, etc. Ventilateur, vous voyez là, ça c'est un bon truc, ça. Canon, cadence de tir, coup, dispersion, etc. Mais par contre, ça augmente le poids du char, ce qui est un peu débile. Voilà, donc c'est un nouveau système. On peut le faire avec les provisions, je crois aussi, ça. Voilà, donc regardez les provisions, là. Voilà, on voit tout que c'est vert, on voit que c'est excellent. Les barres aussi. Ça aussi. C'est très très bien. Donc on a un petit peu de temps à se faire un petit combat. Je ne sais où encore. Dans les nouveaux trucs. Donc à carrière, donc c'est parfait. J'adore cette map. Je suis hyper fort à cette map. Et franchement, je ne vous cache pas que je vais en défoncer quelques-uns. On va baisser ce son de merde, on en a pas besoin. Et voilà, donc c'est parti, on part à la chasse à l'ennemi. Toi, pourquoi tu me rentres dedans, sale castos? Voilà, donc on va essayer de bien, il me semble que bien rentrer, faut... Hop, voilà, on va se mettre là. C'est ici ma petite cachette. Voilà, donc on regarde vite fait, s'il n'y a pas d'ennemis, on va regarder vite fait, ça est bien caché. Voilà, là, ça devrait être bon. On attend l'ennemi là, parce que vous voyez, on voit la base, et en même temps, on voit ceux qui vont arriver sur le côté gauche. Donc, vous voyez là, parce qu'il y a les trucs verts, voilà, par là. Et de l'autre côté, ceux qui vont faire les gros cons, voilà, qui vont descendre. Qui vont descendre. Donc, petit bug. Donc, on va essayer de le voir.
Et de le tuer, donc des fois je trouve des bons trucs, voilà, donc il y en a un qui est pas par là, du coup, il y en a un qui est... Voilà, essayer de pas se faire... Ce serait pas mal. Regardez, il est là. On l'a raté. Ça, on voit les... Ah, donc on a été repéré, vous avez vu l'ampoule qui s'est allumée. C'est pas très très bon pour nous, en plus il y en a deux apparemment. Donc il y en a un qui est descendu à la base pendant que j'étais en train de machiner. Et un autre qui est encore là-haut apparemment. Ouais, il est encore là. Pas super super. Donc on va essayer de garder l'autre là. Ce serait bien qu'on le tue parce que c'est lui qui va nous tuer en premier. On va essayer de viser la tourelle. Alors là, franchement, il nous défonce, clairement. Là, je vois pas ce qui s'est passé en fait. Donc, je comprends pas qu'il disparaît alors qu'il était derrière, mais c'est pas grave. Toi, t'es derrière, je peux pas t'avoir. On va peut-être pouvoir en avoir quelques-uns là. Normalement, ça devrait être bon. Ou alors... Non, ils viennent. Ils vont être pas loin, ils doivent être pas loin, ils doivent être pas loin. On n'est pas ridicule. Ridiculous, noob, ça veut dire ridicule. Tiens, regardez, hop, et on fait ça. Ils sont seulement touchés, ouais. On va essayer de viser bien là. La tourelle, voilà là. Oh bordel! Je l'avais pas vu lui. On n'a pas pénétré le blindage. Alors, avec celui-là, il doit y avoir un bug là. Parce que... Putain! Pas ici, ça vient pas d'ici. Voilà, on s'est fait avoir. Ah oui, 2 à 6, c'est-à-dire qu'on était les derniers, donc les avant-derniers à se faire tuer. Voilà, le dernier s'est fait tuer maintenant. On était les avant-derniers, voilà, donc on n'a pas pu faire grand-chose. Donc, j'espère que ça aura plu. On se retrouve la prochaine fois pour. Une nouvelle vidéo donc sur je ne sais pas trop quoi. Tiens, tu vas me dire si je me suis amélioré, Salim. Cool dandaf. Wescom. Voilà, tu me dis si c'est bien. Sinon, si c'est nul, tu me le dis. Voilà. Allez, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo sur Titan Brawl, là c'est sûr. Allez, ciao. Bye bye.